J'espère que vous allez bien. En trois mots, c'est la merde. Et en quatre, c'est la merde putain. Bon, je pense que personne n'est passé à côté du drama d'hier soir. Hier soir, j'étais au plus mal. Ce matin, j'étais mort de rire. Après 4 ans sur YouTube, je suis enfin démasqué. On ne peut plus se cacher derrière l'écran. Et oui, c'est vrai, j'ai des coups de sang. Voilà, je ne suis pas le YouTuber parfait. Je ne suis pas l'être humain parfait. Voilà, hein, ça va un peu de pair finalement. Étant donné que je ne suis pas parfait dans la vie de tous les jours, je ne peux pas être parfait sur YouTube. Je ne suis donc pas le YouTuber qui rentrera dans les cases, définitivement dans les normes, pour plaire à tout le monde. Bon, alors, je pense que tout le monde a un petit peu suivi ce qui s'est passé sur le stream d'hier soir. Voilà, hein, sinon, vous avez été sur Twitter. Et sur Twitter, j'ai buzzé. Voilà, j'étais partout. Je sais pas, c'est... Non, c'était pas vraiment du buzz, hein. C'était plus du bad buzz. David, 27 ans, addict aux jeux vidéo, enclin à des excès de colère, ne sait plus se contrôler. En résumé, on va commenter les games du jour 6, disputer le jour 7, et très sincèrement, la leçon que je tire de tout ça, car je pense qu'il y a des leçons à tirer dans toutes les situations, c'est que il ne faut absolument pas prêter attention plus que ça aux réseaux sociaux, car hier, on a vu Voldemort à et tous ces mange-morts se jeter sur l'occasion pour générer de la haine. Fin mot de l'histoire, j'ai carrément reçu des menaces de mort. Je me suis dit, waouh, comment ça va loin. Voilà, les gens ont une tendance à se trouver du courage derrière les écrans, mais le jour où vous les croisez dans la vie vraie, la vie réelle, ce courage se dissipe, ce courage disparaît. Alors oui, en tant que personnalité publique, on est habitué à ces choses-là, mais j'ai envie de, voilà, de faire un petit disclaimer un petit peu pour les jeunes qui sont victimes de harcèlement ou toutes ces choses-là. Ne prêtez pas attention aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne reflètent pas la vie réelle, donc ne vous construisez pas autour de ça. Et écoutez, voilà, après ce petit message de paix et d'amour, code créateur David K, et on part commenter les games. C'est parti pour commenter la première game. Donc nous sommes avec Vierge Marie et ExiWix. Et avant de débuter, voilà, le commentary à proprement parler des games, je tiens absolument à signaler, à remercier le travail irréprochable de ExiWix hier soir, qui nous a vendu du rêve. Il a été impérial et vous allez voir que son travail tout au long des games est incroyable. Donc moi je suis avec Ricochet, bien sûr je prends le mid, je claque pas mal de rebonds. Regardez ici, voilà, je fais. Vous avez vu ce que je fais? Je vais faire rebondir mes balles sur le mur arrière pour tout simplement augmenter les dégâts. On a un bon travail de Vermary sur le côté droit, hein, il fallait bien au moins qu'il fasse une bonne game. Ensuite, les commentaires. Du coup, on continue de faire le travail au mid en ce qui me concerne. Je n'hésite pas une seconde à claquer mon spé. Vous avez vu, alors, je suis pas très très agressif sur le coffre. Hein. Je suis plus agressif sur la défense. Et eux, bien sûr, ils essayent bien sûr de faire une défense parfaite. Car ils ont le fameux mortier côté gauche, hein, qui nous fait des dégâts. Là, je passe un petit peu sur le side gauche. Comme vous avez pu le voir, j'ai essayé de gratter quelques dégâts. Là, je suis full life. Donc, j'en profite pour mettre quelques coups au coffre. Là, j'ai mal joué. J'aurais dû très clairement aller gratter directement. Là, regardez le spécial qui va être cadeau, hein, qui va claquer l'aller-retour. C'est victoire très rapide, c'est expéditif. Première game, j'étais content. On se dirige vers le top France. Je savais qu'avec 3 victoires, j'étais bon pour faire le top 15 français. On enchaîne. Deuxième game, et là c'est le drame. Il semblerait que le joueur Vierge Marie ait signalé dans le chat YouTube qu'il n'avait pas la connexion pour jouer, mais a tout de même décidé de cliquer sur le bouton lancer la partie, tout en connaissant l'importance que ça avait pour moi cette saison de marathon. On parle pas seulement de 3 games par jour, on parle d'un travail, d'une série YouTube qui me tenait à cœur. Mais on ne lâche rien, aujourd'hui on va disputer le marathon en duo. Donc voilà, donc là vous avez vu, on essaie de faire le travail franchement avec ExiWix. On a Vierge Marie là, regardez, un petit réveil là. Petit réveil. Alors petit conseil, hein, car si vous perdez la connexion, que vous avez véritablement pas de connexion, bah, je vous invite à vous déconnecter du jeu tout simplement. Les joueurs pro le savent, mais c'est moins connu des joueurs pas pro. Mais si vous vous déconnectez du jeu, eh bien tout simplement, un bot va prendre le relais. Et un bot qui prend le relais, c'est mieux qu'un joueur qui ne joue pas. Du coup, là, voilà, on a un spécial de Vierge Marie. Voilà, il faisait des petites apparitions de temps à autre. Voilà. Donc là, il est mouru et je crois qu'en fait, c'est la dernière fois qu'on va le voir dans le jeu. Donc jusque-là, on s'en sort pas si mal. Gros travail d'ExiWix. Et là, regardez, ici, on est pas mal parce que là, on claque un super spé. Les attaques d'ExiWix. Très, très bonne défense d'Exi. Malheureusement, il se fait tuer par le Colt. Là, on met le coffre à 29%. On voit Vierge Marie, on sait pas trop, tu vois. Il est là, connexion, pas connexion. Il parle sur le chat YouTube, mais il... Ah, voilà. Donc,
Ça continue. Voilà, on va en rigoler hein, de ça, les gars. Je pense qu'il n'y a pas mort d'homme. Hein. Il y a plus grave dans la vie en ce moment. On voit tous les jours l'Australie en train de brûler. Donc, je pense que très clairement, voilà, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Il y a des gens, leurs parents, ils sont malades. Tu vois, voilà, il y en a, ils sont handicapés. Il y a plein de trucs dans la vie, tu vois, qui sont graves, tu vois. Mais ça, c'était pas grave. Voilà, très clairement, c'était pas grave. Donc, voilà, donc c'est pas grave. Je peux faire rigoler cette situation. Donc là, on met le coffre à 7%. Et là, je me dis, David, si tu passes avec ton spécial, tu les ken, c'est sûr. Et malheureusement, on va pas réussir. Vierge, Vierge, joue, frérot. Vierge, non, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, Vierge Marie sert de punching ball pour charger l'ulti des autres. Hein. Donc voilà, donc on se fait rincer. Je suis très mauvais perdant, c'est connu. Je pète un plomb, je l'insulte. Voilà, je soupçonne le sabotage. Car derrière, on a aucun mal à consulter mon streaming et enregistrer et le mettre en vidéo sur Twitter. Mais bon, c'est un autre débat, c'est pas grave. Code créateur David K. On va passer sur la troisième game. Donc là, littéralement, je pète un câble. Je lance en random. Disclaimer, voilà, hein, c'est un... Ne faites pas ça chez vous, ne lancez pas en random le marathon. Donc là, on lance en random, donc on, voilà, on a kické Vierge Marie au terme d'une bagarre. Voilà, on a fait un octogone, hein, très clairement, on a fait un octogone Twitter. Bon, j'ai perdu, hein, voilà, il y a tous les mange-morts qui se sont ramenés. J'ai pris tarif sur Twitter, du coup, bon, voilà, hein, c'est pas grave. On se réveille et le but, c'est de gagner le marathon. Premier spécial claqué, comme vous pouvez le voir, on fait un aller-retour sur le coffre encore. Ce petit kist, il était très très bon, hein. Encore une fois, je tiens à préciser, bon, j'ai pas vraiment finalement commenté les games, hein, on s'est servi des games pour rigoler entre nous, mais le travail de XWX qui a été impérial, qui n'a pas arrêté de jouer, hein, qui malgré la difficulté, bah, il est resté concentré, il a donné son maximum, on peut voir un nouveau spé aller-retour, et là, logiquement, voilà, là c'est fini, on est au coffre. J'ai pas réussi à prendre le rebond, j'étais un peu deck parce qu'il reste 1600 et à 36% t'es en difficulté, ça peut être dangereux. Mais on a Kist avec les rebonds qui a gagné, donc voilà. Donc parfait, ça fait plaisir, donc voilà. Pour clôturer définitivement le débat sur hier soir, voilà, hein, j'ai eu un coup de sang, voilà, ça c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois, voilà, hein, j'aurais peut-être pas dû péter un plomb comme ça, c'est sûr. Mais je pense que on va pas se mentir et je vais y aller sans langue de bois. On serait pas sur un jeu Supercell avec lequel je suis partenaire, je m'en foutrais, mais royalement. C'est-à-dire que si j'avais l'assurance que derrière ça n'engendrait rien sur mon travail, sur le fait que voilà, j'avais pas être banni de Brawl Stars et tout, j'aurais aucun problème avec ça, hein, pour être totalement franc avec vous. Et je dirais, j'en aurais rajouté une couche sur les réseaux, j'aurais fait mon sardoche, hein, mon Mohamed Eni, mon sardoche, j'aurais fait trois fois pire parce que je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Mais là, c'est pas le cas, donc voilà, j'étais tenu au politiquement correct. Et ce matin, je me suis dit, vas-y, à mort le politiquement correct, si je dois prendre un scud, bah je prendrai un scud, c'est comme ça. Voilà, donc on passe sur le duo, je vais me trouver un partenaire et on part directement sur le survivant. Bon, on part sur les games du jour, donc voilà, je suis avec Giga, il a passé un interrogatoire au détecteur de mensonges, frérot, hein. Je lui ai dit, t'es sûr sur la map, t'as une connexion béton, est-ce que t'es pas invendu? Il m'a dit, t'inquiète frérot, je gère, j'ai dit, vas-y mon pote, c'est parti. Merci à tous les gens, en tout cas, qui me soutiennent jusque-là, qui m'ont soutenu jusque-là dans le marathon, merci à ceux qui me soutiennent avec le code créateur d'AIK, hein, voilà. Je suis pas forcément le plus méritant, mais ça fait plaisir. On y va. Franchement, bah, je suis flippé. Hein. Je suis flippé. Très sincèrement, 3 top 1, top 2 me mettrait dans le top 20 français. Donc, forcément, voilà. Hein. On veut de la bonne ambiance. Franchement, on a un spawn, il est dégueulasse. Déjà, ça commence. Ok, on va pas aller en haut, je pense. Si, il y va. Ok, il veut y aller, le frère. Il veut y aller. Ok. Oh, il a bien fait le frérot. Il nous a carry quelque part. Hein. Il nous a carry, c'est lui qui a pris la décision d'y aller. J'ai bien envie de la grab, mais c'est prendre trop de risques. Oh non, hey, j'ai grabé en auto-shoot, c'est pas passé. Faut y aller, faut y aller, faut y aller. Oh là là, cette game elle est abusée. Cette game elle est abusée, what the fuck en vrai. Oh là là, cette game elle est abusée, what the fuck, parce que j'ai lâché un grab qui était ultra pourri. On est toujours en top 5, hein, c'est-à-dire qu'il y a... Oh, il y a une équipe qui vient de tomber. Après, on a 7 énergies, ce qui est quand même complètement lourd. Faut y aller, mon frérot là. Oh, j'avais vu la chaîne. Oh, GG. On est... Oh, le top 1, le top 1.
Le top 1, comme quoi, les gars, on y va avec le mental. Hein. Le marathon, c'est jamais fini. Voilà. Attends. Oh, putain, je fais les grabs les plus charmés de l'année, frère. Oh, je suis mort. Je suis pas mort. Oh, si on fait le top 1. J'y crois pas trop, mais... Oh, le frérot, il gère. T'inquiète, le frérot, c'est un frérot de la Vega. Oh, putain, l'autre, il a jumpé avec son... Oh, trop GG. Ok, ok, j'ai carré le frérot, là. Oh, on va la faire, on va la faire. On va se faire top 1, là. Oh, merci, Siga, je t'aime. Oh, lui, c'est le frérot, lui. Lui, c'est le sang de la veine, sûr. Ok, votre équipe est numéro 1. Ah ouais. Ah ouais. T'as vu, parce que je reçois des messages en même temps de Brawl Stars. Parce que ça se trouve, je vais me faire jeter, quoi. On sait pas, hein. Attends, je consulte. Ah, je consulte le message. Il me dit... Ah ouais. Ok, c'est bon, ça devrait aller, les gars. En vrai, je devrais pas tomber pour trahison supercellienne. Ok, ok, vas-y, là on a un petit coffre. Ok, déjà top 1, en vrai top 1. Et cette vidéo c'est un truc de fou, je reçois des messages et tout, je suis là, je les regarde en mode non, pitié, ne me ken pas et tout, tu vois. Gérer le frérot. On lui met la presse, Ok. Attendez, je suis stressé, je reçois des messages de Super Soul. Attends. Gêne. Regarde, j'ai mis la presse là. Alors, je peux grabber, frère. Esquive du futur. Je pouvais caler un, ne serait-ce qu'un grab, tu vois. C'est chaud. Ah, c'est chaud. En vrai, je veux pas trop m'engager parce que... Tu vois, c'est eux qui sont au plus mal, en vrai, là. Ok, le grab qui passe. Comment je vais pas aller m'emmêler, mon frérot? Top 3, je garde la position. Ok, j'attends que le frérot régène. Ok. Alors, en vrai, moi, je suis pour... Attends. Moi, je suis pour garder cette position-là. Tu vois? Ah, j'ai tenté. J'ai tenté le grab dans le vide, tu vois, mais... En vrai, je pense que ça valait la peine. Ah, GG. Voilà, ramasser la Elisa en face. La EMZ. Bon, en fait, il faut faire le top 2, c'est tout, hein. Pas bien. Mon gars, j'ai tué la MZ. Oh non. Oh, c'est dommage. C'est un top 3, mais... Ah, c'est un top 3, mais il est stylé. Plus 18. C'est dommage. C'est dommage. Il faut gérer un top 1. On est à combien? C'est une région FR. On est 32e. Ah ouais, en vrai un top 1 ça nous mettrait bien. Ah, c'est dommage. En vrai, je pense qu'on pouvait terminer rapide. Ok. Ah ouais. Et ils veulent m'appeler, les gars. Ils veulent m'appeler et tout. Je crois que je vais me faire ken. Ah ouais, j'ai peur. Je vous jure, j'ai peur. Ok, bon, soutenez-moi dans le chat, hein. Je mérite pas forcément la vérité, mais c'est pas grave. Tu vois, c'est un moment où tu vois, c'est toute une carrière, tu vois, on sait pas. Ok. Ok. Bon, vas-y, on est 4 sur 10, là. J'ai même pas envie de faire de cut. Tu sais, je veux que tu ressentes le stress, tu vois. Allez, vas-y, c'est parti. En vrai, putain, c'était long, hein, pour une game de survivant. Déjà, on va avoir 2 box. Déjà, ça, c'est cool. Je croyais qu'il allait pas jouer, là. J'ai vu... Ah, viens avec moi, frère.
Et je le join. Et j'ai touché le poco. Yes. En vrai, j'ai envie de le grab. Ah, et je suis pourri sur les grabs, frère. J'en ai pas touché un, quoi. Attention, le Daryl, il va régène, hein. C'est le Daryl, il régène. Oh, le Daryl, on va le soulever. Oh non, David, non, mais... Oh, oh non. Ok, en vrai, on est pas si mal. On est à 5 en top 4. Là, il est pas bien. Viens, on l'enferme. Ouais, on le gratte, les gars. Ah ouais. Ah, c'est chaud. Oh, on va soulever le Daryl. Ah, j'ai peur. Ah! En vrai, je voulais absolument pré-shot en bas parce que je me suis dit, s'il y a quelqu'un en bas, bon, on est en top 3 déjà. Ok, c'est bon, y'a personne. On le sait, y'a personne. Okay, oh, la roquette qui vient de me caler. Oh, le Léon. Oh, oh. Ah ouais. Ah ouais, ouais, top 3, 18 points. 33, 18 points, c'est... Ça va, tu vois, c'est pas le pire, mais c'est pas le plus ouf, quoi. Bon, ça nous va combien? Résultat des courses, tu vois. Déjà, on passe les 600. Non, même pas, la honte. Ça nous met 14e. Ce qui est pas si mal. Un grand merci à Giga. Merci, frérot. Ah bah, il est parti. Voilà, il m'a pas respecté. C'est chacun son tour. Merci à tous, en tout cas. Et attendez, petite fin en plein écran. Écoutez, les choses sont ce qu'elles sont, j'ai pas envie de m'excuser outre mesure, je l'ai fait une fois, on va pas le faire 200 fois, merci aux gens qui me soutiennent, je suis qu'un être humain, je suis qu'un homme, je suis qu'une personne, et voilà, comme tout le monde, bah, je peux faire des erreurs, donc voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est la vie, et j'assume parfaitement ce que j'ai fait, et j'ai aucun problème avec ça, et voilà, encore une fois, je vous ai dit sans langue de bois, on aurait pas été sur un jeu Supercell, j'en aurais rien eu à faire. Voilà, merci à tous, je vous kiffe. Et pour mon bureau, frère, à force de taper dessus. Merci à tous, passez une excellente journée. J'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. Salut, salut.